Salut! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en commandant depuis l'app Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Afin de réaliser la vidange, tu devras acheter un filtre à huile, un nettoyant pré-vidange et un bidon d'huile. Tu peux retrouver les pièces et produits préconisés dans la description de la vidéo, ainsi qu'un lien pour connaître le type d'huile et la quantité nécessaire. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre ton bouchon de remplissage d'huile. Cela facilitera l'écoulement de l'huile lors de la vidange. Avant chaque vidange, on te conseille d'ajouter dans ton moteur un nettoyant pré-vidange à ton huile usagée. Cela te permettra de désencrasser ton moteur et d'évacuer les résidus persistants, de réduire ta consommation d'huile et de carburant et de diminuer les émissions polluantes en vue d'un contrôle technique. Avant de l'utiliser, démarre ton véhicule 5 minutes afin que l'huile soit légèrement tiède. Ajoute ensuite le produit et laisse tourner ton moteur 10 à 15 minutes au ralenti. Une fois le produit ajouté, tu ne dois pas rouler avec ton véhicule. Assure-toi donc de réaliser la vidange dans la foulée. Afin de réaliser la vidange de ton véhicule, il est nécessaire de soulever la partie avant de celui-ci afin d'accéder au boulon de vidange. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer le parc-carter plastique s'il est présent afin d'accéder au boulon de vidange. Débloque le boulon de vidange à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 15 sur les premiers tours et finis à la main. Sois attentif sur les derniers filets. L'huile peut jaillir subitement. Il te faudra donc anticiper en préparant le bidon de récupération d'huile. On te propose même d'en fabriquer un en visionnant notre vidéo « Fabriquer un bidon de récupération de liquide ». Laisse l'huile s'écouler une dizaine de minutes. Remplace le joint du bouchon de vidange. Remonte le bouchon à la main. Termine en le resserrant à l'aide du cliquet de la douille de 15. Lorsque tu réalises une vidange, il est aussi nécessaire de remplacer le filtre à huile. L'accès au filtre à huile se fait par-dessous. Pour éviter de laisser couler de l'huile qui est contenue dans le filtre, déplace le bidon de récupération sous ce dernier. Débloque le filtre à huile. S'il ne se débloque pas à la main, tu peux le débloquer à l'aide d'une clé lasso. Si ce n'est pas le cas, visionne l'astuce « Desserrer un filtre à huile bloqué ». Retire le filtre à huile. Lorsqu'il sort, oriente-le vers le haut de manière à éviter de renverser de l'huile. Soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool. Munis-toi du nouveau filtre. Et enduis légèrement d'huile le joint côté vissé. Cela évitera une friction trop franche du joint sur le bloc moteur, qui risquerait de diminuer son étanchéité. De plus, cela facilite son montage. Revisse le filtre jusqu'au contact. À ce moment, saisis-le à pleine main et ajoute un demi-tour de serrage. Retire le bidon de récupération de liquide. Il est maintenant nécessaire de remettre de l'huile dans le moteur. Cette partie doit être réalisée avec soin et précision. Tout d'abord, remets en place le parc-carter, puis repose ta voiture au sol, car la vérification du niveau d'huile doit se faire véhicule à plat. Il est ensuite nécessaire d'ajouter l'huile dans le moteur. Commence par mettre 90% de la quantité préconisée. Cela te permet de garder une marge correcte pour l'ajustement du niveau d'huile. Tu peux retrouver dans la description du tutoriel la quantité exacte d'huile préconisée pour ta voiture. Ferme le bouchon de remplissage, démarre et laisse tourner ta voiture pendant 30 secondes. Cela permet de remplir le filtre à huile. Retire la jauge d'huile et essuie-la. Replonge-la dans son étui. Retire-la à nouveau. Et visualise le niveau d'huile.
le niveau optimal se trouve proche du maximum. Mais attention toutefois à ne jamais le dépasser. En fonction du niveau indiqué sur la jauge, réajuste jusqu'à obtenir un niveau optimal. Opération terminée. Salut, si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire.